Salut les détenus, c'est Kiomarek, bienvenue à tous, on est dans Prison Architect pour un nouveau numéro dédié cette fois-ci encore à la construction, à l'amélioration de notre prison. Et voyez, ça continue, ça n'arrête pas, on poursuit nos péripéties à l'intérieur de notre grande prison, notre magnifique prison. On a... Vous voyez, mes détecteurs de métaux qui s'affolent déjà. Ah, mange-toi, je t'ai vu, t'as une fourchette. Bon, on leur donne des fourchettes. Regardez-moi ça, 4 personnes déjà qu'on a chopées. C'est incroyable. Ils ont vraiment pas de... Ils sont nuls, merde, ils n'y arrivent pas. Hein. Enfin, voilà, donc vous voyez, la prison s'est améliorée, s'est agrandie, tout est presque propre. Sur cette session de jeu, on va essayer d'agrandir un peu la cuisine. On va permettre ensuite, je pense, de créer une salle commune un tout petit peu plus grande. On se servira de cette salle-ci peut-être pour plusieurs choses. Alors, sûrement pour commencer, je pense, une salle de cours. Ou alors, ce sera la salle prévue pour... ce sera un atelier. Voilà, ce sera un atelier tout simplement que l'on utilisera. Que l'on utilisera pour apprendre aux fameux détenus à créer des plaques de fer, en fait, à travailler en atelier. Ce qui sera très utile d'ailleurs, parce que leurs travaux vont nous permettre par la suite de vendre en fait ces fameuses plaques qui seront travaillées pour gagner de nouveau un peu d'argent, améliorer notre prison au mieux, et de ce fait, comme on pourra le dire, bah, nous permettre d'agrandir, même de partir sur les autres zones, bah en fait faire davantage de profit sur leur dos, c'est un peu ça. Donc vous serez tous mes esclaves, voilà. Donc c'est vraiment dégueulasse de dire ça comme ça. On a encore pas mal de détenus qui sont blessés, ça à la rigueur on s'en moque, ça ne nous concerne pas pour l'instant. On préférera s'attarder sur les trucs capitales. Donc là ça va être la douche, les douches qui ne sont pas encore construites, ça m'énerve un peu parce que rien n'est fait. Ça devient un petit peu chiant, un petit peu tendu. Ils sont en train de se servir là-dedans et ils sont en train de prendre tout ce qu'ils peuvent. Ils vont prendre des barres à mine, ils vont nous les casser sur la gueule, vous allez voir. Ça va être violent. Allez, on accélère un petit peu le mouvement, s'il vous plaît. On n'a pas que ça à faire, on a une prison à gérer. Tout ceci est parfait. Le bois, on va pouvoir le mettre. Alors là, ouais, effectivement, j'avais carrément oublié, il y avait une salle que je devais créer. Enfin, une salle, c'est plutôt un lieu, en fait, où on va placer l'export. Et en fait, l'export, c'est justement ce qu'on va créer pour placer les objets qui auront été créés par les détenus ou le bois qui aura été fait. Et là, par exemple, vous allez voir nos ouvriers qui vont aller placer tout le bois à l'export. Et les camions vont le prendre pour ensuite... Vous voyez, là, il est en train de s'en occuper. Voilà, il amène le bois, il le place dans l'export, et ainsi de suite. Ils font ce qu'on peut appeler le reste. Donc les ouvriers vont se permettre de le mettre dans le camion. Et vous allez voir, on aura à force, on aura carrément des surplus d'argent. C'est pas plus de mal, ça nous fera du bien. Ok, donc là tout le monde partage encore le même planning. Les douches ne sont toujours pas finies. C'est dérangeant là, c'est dérangeant. On va déjà créer la salle, on va déjà prendre ça comme une salle parce que là, sinon on va être trop juste. Là, donc là, ce seront les douches. J'espère juste qu'on n'aura pas trop de problèmes. Ah putain, il y en a un qui a fait un trou et qui a failli se barrer. On a découvert que quelqu'un était en train de creuser un trou. D'accord, ok. Donc là, merde, j'ai fait une bêtise. Quelqu'un a fait un trou. Ok, on va déclencher une fouille générale. Il y a eu un problème. On va déclencher la fouille générale pour la simple et bonne raison qu'on a découvert l'entrée d'un tunnel et on a failli avoir un échappé. On va tout fouiller. Ah voilà, on l'a trouvé. Regardez-moi ça. On les tient. Un tunnel qui a été créé. Vous voyez, ça c'est le truc de salaud. Ça c'est le truc salaud. Il faut faire très attention à ça.
Ok, on va tout fouiller vraiment. Il faut rien laisser au hasard. J'ai envoyé du monde pour reboucher les tunnels. Faut surtout pas les laisser faire. Ça, c'est super important. On observe bien. Donc tout le monde a été fouillé. Ça énerve les détenus, c'est normal. Mais tout le monde est sur le qui-vive. Voyez, on trouve plein de trucs, plein de trucs. On aurait dû faire des fouilles plus souvent. Incroyable. Ah, on en trouve des choses, on en trouve. Des matraques de flics. Ce qui me dérange toujours, c'est ce. On n'a toujours pas ces fameux tasers. Les tasers ne marchent plus. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Je vais en profiter pour quand même leur mettre des gilets pare-balles. Parce que ça leur fera du bien. Je disais au moins gilets pare-balles. Ça les protégera un peu mieux. On a bientôt fini la fouille complète. Il nous reste quelques objets. Voilà, la fouille est complète. C'est fait, donc les mecs se sont fait avoir. Là, vous voyez ça? Regardez-moi ça. Il nous a pris pour un con, lui. Donc la cellule n'est même plus viable. Et c'est reparti pour un tour. Une bagarre. On t'a maté, mon gars. On t'a maté. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, ils vont aller reboucher le trou, forcément. Voilà, nickel. Donc les cellules sont de nouveau viables. On va détruire la zone de douche qu'on a ici. Donc cette salle ne sera plus une salle de douche. Voilà, on va tout détruire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, fourniture, démonter fourniture. Voilà, on démonte absolument tout ce qui se trouve dans cette salle. Voilà. S'il vous plaît, on démonte aussi cette porte qui ne sert plus à rien. Et au cas où on aura besoin de faire plus de grilles d'évacuation, ben on saura où aller. Encore? Oula, ça se bagarre à mort. Vite, 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 il me faut du monde là, il me faut énormément de personnel. Oula. C'est quoi ce bordel? Ils sont en train d'attaquer mon maître chien. Je ne suis pas d'accord. Allez, feu, feu, feu. Attaquez, attaquez. Allez, le maître chien. Oh putain. Oh non, non, pas le chien, pas le chien, pas le chien. Oh là là. C'est une émeute, c'est une émeute. Allez, boum, 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 chacun là, vous allez prendre très très cher. Voilà, merci, allez, on sort. Voilà, s'il continue, je tire là. On va les calmer. Ok, on les a tous eus. Et cette fois-ci, le gardien armé, je vais le laisser ici. Parce que là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, il veut pas rester là. Oh, on a nos... Oh, le pauvre chien. Non, il a été mis inconscient. Salopard. Salopard des détenus. Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment crade. Pauvre petit chien. On va poursuivre. Par contre, on n'a pas assez de concierges. J'imagine que c'est pour ça aussi que ça gueule un peu. On va engager 5 parce que la prison est vraiment dégueulasse. Il y a du sang partout. C'est crade à mort. Donc, on va faire ça correctement quand même. Allez. Dépêchons-nous. Réparation de l'équipement. Les gilets pare-balles, ça y est. Les gilets pare-balles qui tombent, vous allez voir maintenant, ils vont être tout beaux. Ils vont être magnifiques. Regardez-moi ça. Ils ont de beaux gilets pare-balles. Ils seront beaucoup plus efficaces au combat. On va dire au combat. Hein. Et ils auront beaucoup plus. Ils seront beaucoup plus résistants aux assauts des gros détenus. Des mecs très balèzes, quand même très baraqués. Ok, donc là les gens mangent. Pourquoi il n'y a pas assez? Il n'y a pas assez. Hein. Vous voyez, c'est ça le truc. Il n'y a pas assez de cuisiniers. Il n'y a pas assez de. Y a pas assez de matos. Il n'y a pas assez de cuisseaux. Il n'y a rien. Voilà. Donc
Donc là, on va vraiment on va s'en occuper parce que là, c'est sûrement ça qui les embête, qui les emmerde. Voilà, donc on va faire un truc. La fourniture, ça, on va le démonter. On va démonter aussi ça, ça et ça. Là, on va faire que la salle, donc la cuisine, soit un petit peu plus grande. On va fermer notre salle directement. Une fois qu'ils auront fait ça, on va enfin reconstruire donc les autres fournitures. On va les construire au fond. Manière, je pense que ça passera. Voilà, donc là, le frigo sera beaucoup plus grand. Il y aura beaucoup plus de monde qui pourra. On va leur acheter des cuisinières supplémentaires. Parce que c'est pas tout ça, mais il leur faut. Ça va demander du travail, tout ça, quand même. Ça va demander excessivement de travail. Là, vous voyez, j'avais fait pas mal de trucs. Hein. C'est parti. Ça va demander beaucoup beaucoup de temps à se faire. On va recommencer. On va juste créer un truc tout con. On va mettre un truc là. Voilà. Ensuite, les services que l'on peut démonter. C'est aussi ça. Ça me prend de la place, ça ne me sert à rien. On va les démonter. Énormément de travail dans cette cuisine. Et on va prendre du personnel supplémentaire, donc cuistot. On va en prendre, je pense, 6. Allez. On va aller sur 10 cuistots. Croyez-moi, là, la cuisine, elle va tourner. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Là, il manque juste. Juste du jus là. Qu'est-ce que c'est, bordel? Ça, il manque du jus. Attends, ils sont connectés là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que ouais, c'est parce que j'ai pas mis ça. Voilà. Ce sera plus simple. Faut quand même que ça fonctionne. Un petit peu. Faut qu'ils déplacent tout, qu'ils remettent ça correctement. Histoire qu'il n'y ait pas d'incendie, ça m'arrangerait. On a pas mal de monde. Hein. Ça arrange pas assez. C'est pas fini, on a pas réussi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Là, ils m'ont construit. Mais ça marche toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprends pas ce qui se passe là. Est-ce qu'au moins ils l'ont mis en place? Ok. Là, ils ont pas réussi à faire. D'accord, donc il y a un gros problème, j'arrive pas à me placer. À placer ce que je veux, donc là ça va être. Ah, ça va partir comme ça, voilà. Là, c'est fait. Ok, voilà. On va placer ça autrement. Voilà. Comme ça, vous voyez, là ça marche. C'est bizarre, là ça marche. Je comprends pas. C'est peut-être qu'il en manquait un et il me l'a placé bêtement. Alors je sais pas, donc maintenant on a ce qu'il faut, donc on a la nourriture, on a les travailleurs. Ok, donc ça c'est parfait. Par contre, on n'a pas de lampes dans ce secteur, donc il va falloir qu'on en place. Les lampes. Lampes. Ok.
des lampes. On va remplacer un petit peu partout parce que sinon nos gardiens ne verront rien. Et ils ont quand même bien besoin de lumière. Ce serait dommage de ne pas leur en fournir. Voilà. On va quand même mettre. On va essayer de leur donner maintenant un peu de jus. De manière à ce que ça passe. Si ça passe. Allez, au boulot. Ah bah, en fait, ça passe, mais ça a pas besoin de. Merde, au bout. En fait, c'est des lampes qui fonctionnent comme ça, ok. Donc, ouais, d'accord, c'est génial, ça me va très bien. Voilà, c'est super. Bah, la prison commence à être un tout petit peu plus propre. Eux, ils sont en train de bien bosser. On a encore des détenus qui arrivent. La prison commence à se remplir plutôt bien. Faudrait peut-être qu'ils se grouillent juste faire les douches parce que ça a l'air vraiment dégueulasse. On va peut-être commencer à créer de nouvelles cellules. Là, le parloir est bon. Ou alors là, je crée la salle commune. Ouais, là, je vais créer la salle commune plutôt. Attention, ça va à nouveau être le bordel. Est-ce qu'ils vont encore se battre ? Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, plutôt que de faire ça, parce que là, ça devient n'importe quoi. Regardez-moi ça. On va leur faire un temps libre. Repas, coup. Parce que là, en fait, ils partagent tous la même. Ils partagent tous, en fait, le même planning. Donc, il va falloir, en fait, faire ça correctement. Le temps de repos n'est pas bon du tout. J'aime pas ça. Planning est mal foutu. On va leur laisser un peu de temps libre. On leur laisse du temps libre de manière à ce qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent manger, ils vont manger. S'ils veulent aller au parloir, ils y vont. S'ils veulent se détendre, qu'ils le fassent. Comme ça, en fait, on va limiter un petit peu les émeutes pour l'instant. J'espère que ça va juste les calmer. Et au niveau de l'enfermement, il va quand même falloir que je fasse quelque chose pour la sécurité maximale. Pourtant, j'ai pas grand chose à faire. Quoique. Alors, voyons voir. On a encore du monde qui arrive. Bah, qui est encore du monde qui est là, regarde ça. Il y a encore du people. Ça commence déjà. On va ranger les armes parce que là, le tir à vue, c'était pas terrible. Les blessés qui sont en train d'être soignés. Grâce à leur temps libre. Pas grand chose. Ça m'énerve que les tasers, on les ait plus. Je ne comprends pas pourquoi les tasers ne sont plus disponibles pour nos gardiens. Ça m'énerve. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Oh la merde. Ok, donc là, on a un petit souci, messieurs. Il va falloir s'y rendre impérativement. Ils sont un tout petit peu plus lents. Ah, bien. Pas possible. On les a pas vus faire, donc forcément. Et merde. Ils ont tué un gars, donc forcément ça a été la merde. On va se mettre autrement sur le déploiement. On va en assigner 3. Voilà. Au niveau de la livraison, on en affecte 2. Les patrouilles. Allez, job, on va laisser comme ça.
Ils avaient voulu aussi faire quelques formations, il me semble. Donc on va leur permettre de faire quelques formations. Il y avait une formation. Voilà. No regime time slot. C'est quoi ça? Est-ce que j'ai trop de monde dans la cuisine? C'est ça? Peut-être quoi? Je sais pas. En tout cas, je sais plus. No regime time slot, je sais plus. C'est peut-être qu'il y a trop de monde dans la cuisine, donc forcément. Le personnel trop important. C'est possible, c'est possible. Lui, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Alors, au niveau de l'énergie, ça se passe plutôt bien. Là, il y a un mort qu'on va devoir déplacer vite fait. Le gardien qui va le chercher. Personne ramène le macabé. Ça pose problème à personne. Oh là là. Comment c'est ça? Je vous jure qu'à la prochaine fois vous allez subir. Regardez-moi ça, comment c'est bien organisé, c'est beau, c'est propre. Ils mangent à leur place, ils font pas chier le monde. Toute cette partie là aussi on va l'enlever. On va l'enlever tout. Je pense que la station de détention on va l'enlever, mais on va la garder. Mais cette partie là on va la casser. La salle du personnel on va la modifier, on va la mettre près de l'administration. Ça je pense qu'on va le casser pour encore augmenter la taille du réfectoire. Peut-être, je sais pas encore si le parloir on va le bouger. Je pense pas qu'on le bougera. Ouais, je pense pas qu'on le bougera. Et là par contre, j'ai fini ce truc, il va falloir que je le fasse quelque chose avec. Voilà, on va mettre deux portes. On va mettre des télés. Allez, c'est parti. 3, 4 télés. On va leur mettre à nouveau. On va déjà démonter tout ce qui est là-bas. Toutes les fournitures qui sont là, on va les démonter. Voilà. Ça, on va le démonter. Ce sera plus une salle commune. On va les laisser faire. Matez-moi ça! Tout ce qu'ils ont comme marbre, c'est pas possible. On va les fouiller, ces types. Hein. Je suis sûr qu'il doit y avoir un max de drogue, de choses du genre. Ok. Donc la salle commune est vide. Maintenant, on peut en profiter. Donc on va mettre. Les 4 billards. On va même en rajouter. Allez, on va en rajouter pour eux. Ouais, voilà, on est trop gentil. Les télés, allez, on en rajoute encore deux. Les téléphones, allez, on est trop gentil. Sérieusement, on est trop gentil avec vous, les détenus. Hein. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est super sympa, quoi. On va leur donner à nouveau des trucs pour eux. Pourquoi pas, on leur mettra des canapés. Allez, on leur met des canapés. On est tellement gentils. On va leur faire des petits coins comme ça, regardez. Petits coins tranquilles devant la télé. Voilà, ils auront plus leur télé, ils s'éclateront comme ils veulent. Ce sera leur coin détente. Où ils n'en embêteront pas. Voilà, là ils auront leur petit truc à eux, ils seront tranquilles. Ils auront une grande salle rien que pour eux. Maintenant on va faire en sorte que ce soit la salle commune. Et cette salle commune. Pourquoi je la perds à chaque fois cette salle? Salle personnelle. Placard à balai, salle commune. Voilà. Salle commune. Voilà, donc il reste plus qu'à faire ce qu'il faut dedans. Cette salle là. Sûrement en atelier. C'est des malades. On va la transformer en atelier. Voilà. On transforme ceci en atelier. On va chercher les fournitures qu'il faut pour l'atelier. Donc ce sera
Une scie d'atelier. Que c'est ça qu'il faut. On va faire ça de manière à ce que ce soit rentable quand même, un minimum. Puis là, ça va pas prendre trop d'énergie. Surtout ça me dérangerait un peu. On a plus de fonds. On a plus d'argent. Génial. Merde. Je l'ai enlevé, mais en fait, on a déjà dépensé les thunes. Ok. Magnifique. Donc, je l'ai commandé, en fait, ça veut dire. En gros, c'est ça. Non? Ouais, c'est ça. Je l'ai commandé, en fait. Bon, on est obligé de le prendre. Les repas, ça m'énerve aussi un peu. Je suis pas sûr qu'ils aiment les repas qu'on leur donne comme ça. Donc, la cour, on va leur en laisser un petit peu plus. Voilà. On va les enfermer plus longtemps. Et ce sera des repas obligatoires. S'ils veulent pas manger, ils iront se faire voir. Leur temps libre, ce sera uniquement le matin. Voilà, ils feront ce qu'ils veulent le matin. Et ce sera à eux de gérer. Après, s'ils veulent pas tout ça, libre à eux. Parce que là, en fait, tout ce que j'ai là, je le jette. C'est pas terrible. Regardez-moi ça, tout ce que je jette comme nourriture. C'est dingue. Je jette pas mal de nourriture et c'est bon. Ça m'ennuie de jeter autant. Ce que je vais faire, je vais diminuer la quantité et la variété de plats. Voilà. Voilà. Comme ça, vous aurez juste ce qu'il faut. Si vous avez faim, bah vous mangerez ce qu'il y a. Je vais pas me ruiner non plus à vous donner trop de nourriture gastronomique. Hein. On n'est pas là pour ça. Alors, voyons ce que ça donne. Marde. Ça ne va pas du tout. L'atelier et une table. J'ai pas assez d'argent pour l'instant. On va aller voir au niveau du prêt ce que ça donne. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites choses sympathiques? Nettoyage de printemps, supprimer la réserve d'outils volés. Ça, on va s'en occuper. 200 cellules, ça, on n'a pas encore. Laverie, cuisine, placard à balai. C'est une idée. Ça, c'est fait, ça, c'est bon. Réforme, programme éducatif. Non, ça, pas moyen. Les actionnaires, comme vous le montrez pour des occasions, sont prêts à investir pour aider à produire 30 plaques. Ok. Bon, on a des petites subventions. Il manque juste l'électricité. Je veux voir combien ça va me... Si ça va me prendre énormément d'électricité. Apparemment pas. Pas des masses. Fourniture. Presse d'atelier. Quelques scies. On mettra des tables forcément. Voilà, j'espère juste que ça va passer.
Ensuite, service. Il faut que je relie tout ça. Ça va sûrement me coûter très très cher en énergie. Il faut juste que je fasse très attention. Et ça monte, hein, regardez-moi ça. Ça monte au niveau de l'énergie à droite. Ça monte en flèche. Et là, par contre, ils sont pas reliés ceux-là. Tiens donc. C'est nouveau. Ah, mais oui, les services. Voilà. Il manquait certains trucs. Ils n'ont pas été faits. Merde. C'est moi ou. Là, il y a tout le service. Mais là, il en manque un encore. Et il l'a pas placé. Ah non, il avait pas le. Ok, voilà. Il avait pas le nécessaire. D'accord. Ok, donc là on a les plaques, on a tout ce qu'il faut. Maintenant on peut enfin faire en sorte que les gens travaillent à l'atelier. Alors, maintenant il faut former les types. Donc la formation. Sécurité en atelier, on en a 12. Pourquoi ça marche pas ça? No regime time slot. J'ai parce que j'ai pas. Créer de. Ah non, ça attend, je peux pas. Parce que j'ai pas créé peut-être le. Replanifier tous les cours. Non, c'est pas ça. Peut-être parce que j'ai pas en fait de travail pénitentiaire à leur donner. Donc, faudrait que je fasse. Travail pénitentiaire. Pas. Je sais pas si c'est ça. Peut-être. Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr. No régime time slot. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, toutes les salles sont réservées. Bah non. Arrête donc. Commencer. L'appareil. Là, on a personne. Thérapie comportementale. Chaque unité a besoin de chaises. Recommandations pour violence. Sont assis intermédiaires. Ok. Ça c'est ok. Traitement de la méthadone. Imaginez tout ce qu'il y a. Waouh. Ok, donc tout ça on va le faire. Une place. Une session. Donc là il va nous falloir peut-être une salle assignée à ce genre de truc. Faudra voir après. Là j'ai réussi. Je sais pas trop ce que c'était, no time slot, machin. Enfin, on va voir. Donc, allez, c'est parti. Donc là, ils avaient du temps libre. Donc, il y aura pas mal de choses à faire. Regardez-moi ça. Il se passe des choses terribles. Là, il n'y a pas du tout d'électricité dans cette zone. C'est pas bon. Il faut du jus. Merci. Quoi? Tâche bloquée. Bien sûr. Rien du tout. Tu vas y arriver. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est parce que ça se castagne. C'est parce que ça commence à se casser la gueule que forcément il n'y a personne. Merde, toi je veux pas. Non, je vais faire plus simple. Voilà. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas y aller. Ok, on a compris. Ouais, ça va être le bordel. Et il le tue, il va le tuer, il va le tuer. Il va le tuer. Il est mort. Bah alors, qu'est-ce que vous faites? Mais merde alors, je vous ai demandé d'y aller. Bah oui, mais ça serait bien avancé. Ça fait déjà deux morts. C'est dingue. Bah merde alors, qu'est-ce qui se passe donc? Au niveau du déploiement, il y a des problèmes là. Ça va pas du tout. J'ai encore deux morts. Bah regardez, je vais vous montrer. Évaluation, voilà, j'ai perdu 100 000, il y a eu deux morts. Voilà, j'ai perdu 100 000 dollars de valeur. Génial.
Que du bonheur. C'est énorme. Ok, bon bah pour l'instant la prison a pas trop avancé, c'est un peu chiant, j'ai dû vraiment m'attarder sur certains trucs. Bon, on a construit l'atelier, une nouvelle salle commune. On a refait un petit peu l'électricité, on a refait tout ce qui était la cuisine. Bon, en tout cas, la prison avance à grands pas, ça vient, ça va venir tout doucement. Là, on a encore pas mal de détenus qui vont venir. Il va falloir, pareil, à la remettre un coup de la terre à la tête. Continuer notre avancée sur ce jeu. En tout cas, j'espère que cette petite session vous aura quand même bien plu. Il y a pas eu pas mal d'émeutes, pas mal de bordel. Et ça continue, matez-moi ça. On se quitte là-dessus. Sur une bonne bagarre. Allez, pétez-lui sa gueule. Respecte ma putain d'autorité. Allez, vas-y, 4 contre 1. Et voilà, tiens, calmez. Allez, sur ce, tout le monde, bon jeu. Ciao.